Merci. Voilà, voilà, la barbe, il faut un peu tailler ici. C'est possible que je reste avec eux ? Tout au-dessus. La première inscrite du groupe. Oh. Magnifique. Non, il n'y a pas beaucoup d'absorbants. Alors quand même, Yvette Dory. Est-ce qu'Yvette Dory est là? Ah. Mais on ne va pas se mettre devant. Hein. On suivra la dame en chaise. On suivra de loin. Voilà. Alors, autre chose, vous avez une affiche là-bas, GRAC. Hein, le GRAC, c'est un groupe d'action, de recherche des cyclistes quotidiens. On peut s'inscrire au GRAC et être sympathisant, c'est gratuit, il suffit d'aller sur grac.be. Nee, het is volgende week. Hé, Joël. Nu les fanfares viennent devant. J'aurais voulu le rencontrer de manière un petit peu plus longue, mais voilà, tout est toujours un peu bref. Misschien omdat het leven toch maar van voorbijgaande aard is en dat we daarover niet veel kunnen zeggen. Dus hij doet die skeletkop niet lachen, ook niet krijsen. Et puis quand j'ai peint pour Paul, non, c'est des brosses de 8 mm maximum, et cette espèce de vibration qu'il veut donner, il donne vraiment des petits coups de pinceau comme ça, jusqu'à ce que cette surface devienne vivante, quoi. Mais à sa manière, c'est pas la même vie que Freud, ça n'a rien à voir. Un peu de Magritte, un peu de Kelly, ouais, c'est ça. Et voilà qu'il était parti. Mais voilà, c'est être mis sur la voie. Hein. Oui, mais en tant que peintre, je crois que les artistes ici peuvent en témoigner. Il faut connaître son métier, il faut apprendre à peindre, à dessiner surtout. Mais à l'œuvre lui-même, on ne peut rien lui imposer. Par exemple, vous avez beau dire maintenant, je vais faire une œuvre érotique. Commencez seulement à la faire. Tout à fait d'accord avec vous. Le sujet, on n'impose rien à l'œuvre.